Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft, chers amis. Donc, nous reprenons ce magnifique robot qu'est le Stardust. Nous allons tenter des choses. Je suis très mauvais en noscope. Hop, voilà, c'est bon, corrigé. Le Nearest ? Vas-y, fais-le fuir. Voilà. Ok. Wouh! Il est pas tout seul. Aïe, aïe. Bon, c'est pas grave. Il est rigolo celui-là. C'est pas con, c'est pas con, c'est pas con. Pas encore le droit de me TP. C'est un peu stupide le principe des cooldowns de... Hop, voilà. Les cooldowns de commandes de specials pendant... Ok. Merde! Non, non, tu régènes pas. Wow. Encore ? Oh ! T'es sérieux là ? Le coup du rebond ? Wow. Alors franchement, mais paye ta physique de merde. Paye ta physique de merde. Honnêtement. Faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Ok, GG. Bon, on mène, hein. De très très peu de pourcents, mais on mène. Allez. Enfin, je suis un peu large. Ok. Terme de score, on en est où? Ah, c'est pas l'échappée, autant. Trop loin. Voilà. Wouh. Ouais, ça m'emmerde un peu plus parce qu'on a très très peu d'avance finalement. Un peu léger en termes de dégâts. Ok.
Là, c'est le rebond qui m'a sauvé la vie. What the fuck. Ah, ça, fallait pas le faire, par contre. Ok. On s'en sort. On en chie, mais on s'en sort. Quoi ? Voilà. Ok. Cool. On l'a défendu, ça se passe plutôt bien. Le robot fait plus ou moins le taf. Oh ! Merci. Merde, c'est un copain ça. Hop. Ça se passe plutôt bien. Gros sac. Gros sac. C'est quoi ton nom, Starlight? Ah oui, oui, je vois ce qu'il t'est. Je crois que j'étais avec toi tout à l'heure dans une autre partie et t'étais contre moi encore. Donc je vois plus ou moins qui tu es. Ok. Bon bah ça se passe plutôt bien cela dit. Hein. On va aller rect. Hein. Faut dire avec ce genre de robot comme handicap. Ça t'apprendra. Victoire. Bon, il n'y a pas eu d'abandon, ça c'est cool. C'est d'une partie propre. Bon, après le matchmaking n'a pas fait forcément ce qu'il fallait, mais il n'y a pas eu d'abandon. La partie reste clean, on va dire. Bon, bah ça fait du bien par où ça passe. Ouh, 10 000 points. Ça fait du bien. Clairement. Clairement, clairement. On va pouvoir remonter un petit peu ce mauvais rang de clan que j'ai ce mois-ci. Et donc, du coup, je pense que dimanche prochain, je ferai que des parties avec le clan pour doubler le score. Ce qui permettra de faire beaucoup plus de points vis-à-vis du clan. Ça pourrait être pratique. Je vous retrouve tout de suite pour un nouveau match. Chers amis, donc cette fois-ci j'ai pris ce robot. On va bien voir s'il est efficace ou pas. Je suis assez curieux à vrai dire. On verra bien. Hein. En tout cas, il est bien plus rapide que ce à quoi je m'imaginais. Pardon. Oh, je me suis fait mal à la gorge. Hop, allez. C'est parti, on y est. Je capture. Qui a osé me tirer dessus? Qui a osé? Wouh! Ils sont plusieurs. Merde, putain, ils sont organisés ou quoi? C'est pas possible! Aïe, oh bah c'est rect pour moi, il s'est retourné. Hop, là. Oups, c'est bon. Ah bah non, c'est plus bon. Ils sont collés, dis donc. Ah putain, il s'est retourné. Bon, j'espère qu'on a de l'anti-aérien, honnêtement. Je trouverais ça écœurant qu'on en ait pas. Et je crois qu'on en aura pas. C'est écœurant. Pas penser à regarder si on en avait. T'as vraiment du bol.
Ok. Oh putain. Dès que je touche le sol, c'est une horreur. Ok. Putain, mais t'es casse-couille, toi! Putain, il y a un seul mec dans toute la partie qui a de l'anti-aérien et c'est pour ma gueule, quoi. Ça m'emmerde. Je suis désolé, ça m'emmerde. Je trouve ça absolument dégueulasse. On attend 3 minutes pour une partie qui, en fait, est pétée. Voilà. C'est débile. Ah, puis en plus on est... Ah non, c'est moi qui suis au-dessus, pardon, je suis mort. Bon bah hop, hein. Moi j'ai... autre chose à foutre, hein. Je suis désolé, je me fais enculer par le matchmaking, j'ai autre chose à foutre. C'est dégueulasse, c'est absolument dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Vous savez quoi, on va s'en prendre un. On va s'en prendre un, tant pis, c'est pas grave. On verra ce que ça vaut. Ce sera mieux, hein, si on s'en prend un, je pense. Ah là 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 là, c'est quand même bien dégueulasse, je trouve, en termes de matchmaking. Surtout qu'on attend, le jeu est de plus en plus long en termes de matchmaking. C'est-à-dire qu'il passe 3 minutes à attendre une nouvelle game. Et voilà ce qui t'arrive dans le nez, quoi. C'est absolument dégueulasse. C'est absolument dégueulasse, on va s'en prendre un, tant pis l'épisode sera un peu plus court. Hein. J'ai décidé de faire que 2 games par épisode, malheureusement, là je suis désolé. Hein. Mais là, faudra plus s'en prendre au matchmaking qu'à moi, hein, clairement. Là je supporte pas ce principe. C'est les dés, comme dirait mon meilleur ami, les dés étaient pipés. On était au moins 3 aériens dans mon équipe, il y avait un anti-aérien en face, quoi. Ça suffit. Hein. Pour la page, vous avez acheté des choses, les gens. Merci, c'est gentil. Merci à vous, c'est joli ça aussi. Il y a un arbre dedans. Ouais. Toutes les armes. Parce que le problème, c'est que vous allez voir, on va le faire parce qu'il faut qu'on le fasse. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, il faut qu'on le fasse. On va vous montrer ça. Mmh. Intéressant. Nope. Vous voyez de l'anti-rien là-dessus, vous? Pas moi. Trop gourmand en énergie comparé aux flops. Quoique, il n'y en avait pas tant que ça, finalement, des flops. C'est pas ce que je cherche. Je cherche vraiment un truc qui recte l'anti-aérien. Enfin, l'aérien, pardon. Ok. J'ai l'impression de tomber 1 million de fois sur le même robot. C'est casse-couille. Marche pas. Cela dit, il a l'air assez efficace. Je suis assez sur le cul de voir les stats. On va le prendre, ça peut être rigolo. Tiens, ça va nous faire un robot extrêmement différent des autres, finalement. On va le prendre. Et ben, on se retrouve dans le prochain épisode, les amis. A plus.